convention na Goma na Tongo lelo mercredi 30 août wa publicika manifestation ezali ko salema contre bi contre pona ko exiger de part ya MONUSCO bande ko balandi bozola ndabiso partout à travers le monde mbote pe boye bolamu na manaka na bino ya pona Congo ya lelo e bandi na uti koloba yango la population ya Goma bazali ko manifester pona ko exiger de part ya MONUSCO ba manifestant bazala ki bongo manifestation ango ezala ki bongo initié na ba membre ya secte Wazalendo bisika ba activité na bango bisika ba activité ya ville ezali bongo paralysé ba source mingi auto solo na bango na tongo lelo bazali kolobela ba mort pe ba blessé Castrozong na bino na bilan o ezali ko salema kuna na tongo na lelo kasi fo ko ebisa bino ke ville ya Goma et na monki na sous tension na tongo ya lelo bozola na biso libanda to na kati ya mboka mbote pe boye bolamu na manaka na bino ya pona Congo boza na adresse ya malamu pe bokola boponi ngonga ya kitoko j'espère que to lexa batango ya malonga na we tali bongo mai matali Europe démocratique du Congo notre pays notre patrimoine commun mabele ya bakoko ndenge na lobaka yango mbote na bino bande ko boza na biso na page Facebook kolom tozaya ki ensemble te bolimbisi suite ya ba problème technique mais beaucoup qui déjà ko partager ndenge to mesani Kosala Mikolo Oyo, tozali na deux sujets, deux invités, mais avant tout, quelques sujets d'actualité. Nalobi yango na Goma, vive tension na tongo ya lelo. Pourquoi est-ce que Bayeko Bandeko wana bazali na raison ko manifester, topi bazali manipulé. Nous allons essayer d'en parler au cours de cette émission, mais il faut dire que hier, Bisika Pina Est, toujours 13 personnes koufaki, pe 14 blessés, pe plusieurs personnes disparues. Ezali bilan, il y a incursion attribuée à ma milicien Kodeko près du village Kandoyi à Aru en Ituri. Et Ezali bongo troisième attaque à ma milicien Kodeko dans la zone minière. Wana, selon ma notable ya coin ou ma pessibiso information et convocation, il y a électorat pour la présidentielle 2023 et zo banda bongo le 1er septembre prochain. C'est-à-dire dans deux jours, est-ce qu'ils n'allaient pas vers les élections? C'est la question qu'on se pose alors que Baïke Batikali Simabazo et la audit y affiché électoral P Abbé Donatien sur les Abima qui n'a silence pour la Kolobali Kambetali. Confiance na Mapunomi Oezali Koya Nine Kosalema. Nous allons en parler au cours de cette émission, essayer de réfléchir pour avoir de solutions, de réponses quand même pour que Mboka Nabiso et Kende Liboso, Libande Mboka Nakat. Si Afrique na moka ba pays il y a centre Afrique Gabon bisika ba ba militaire na tongo ya lelo bazali ko affirmer ko mettre fin na régime ya Ali Bongo tout juste relu ba tireo kanaki na tongo ya lelo na Libreville na capitale bisika wapi Ali Bongo azwami na pouvoir outa 14 ans eleki pe na élection et salema ki weekend dernier azwa ki tope a remporter ki yango na 64,27% des suffrages exprimés. Na tongo ya lelo moko ya ba communication ezali koleka en boucle na télévision nationale na bango ezali communiqué ya ba soda o bazali kotalisa ke ba kwesie. Nous allons en parler toroye ba suite na ba heure o ezali kolanda. Très bien, deux sujets na lobaki yango, deux invités à l'ordre du jour. La question sur la confiance topé méfiance o bandeko bazali na yango autour ya processus électoral en cours selon ba statistique e salemaki ezala ki livré na be donation sur le azali porte parole ya 5 ans talisi que selon bango 25% kara ya population bazali disposé ko kenena ba urne le 20 décembre prochain. Le reste de la population bazali sceptique face na processus électoral en cours azali kotali sa que yango ezali mal perçu na population pe na reste ya classe politique. Est-ce le temps de s'arrêter de chercher une solution? Est-ce le temps ya koluka consensus? Est-ce le temps ya kosa la audit simplement ndenge bande komusu bazali kosa la parce que c'est pratiquement dans 4 mois s'il faut le dire le 20 décembre c'est déjà demain. Qu'est-ce qui va se passer à électorat ya
présidentielle pe et Bengami, est-ce que bande comme sous batika les sima batika la karasima, c'est la question qui se pose. Manifestation à Goma, la situation demeure inquiétante malgré ba effort ya gouvernement, population lelo a telemi ko senga le sous de part ya Monusco. Est-ce que bazana raison ya kolobelango parce que ba manifestation et salama ki pe moi ming, est-ce que bazali manipuler tout simplement pour na koluka trouble alors que tout ce qui est dans l'élection, c'est la question. Mais quid sur les accords militaires où ils allaient au Salimato, tu sais comment le président Evariste Ndayishimiye et Namboka Nabiso a signé un accord militaire du Soussou dans le gouvernement congolais, ça qui bon prend de presse, c'est tête à tête, le président Félix Tshisekedi a signé, tu peux décider d'un commun accord que Luka Kote, mais là, rebelle il y a un 23, est-ce que accord, tu as dit que est-ce que troupes régionales au Bazan Amboka Nabiso, déjà, solution Moko, nous allons aussi en parler ce matin. To l'Obela Congo, to Zanandeko, Jano Manyanga, Azali, Ndeko ya MSR, Moko ya Disanga, FCC, qui déjà, co-rejoindre sur ces plateaux. Mon Amboka, déjà, Kopusana sur ces plateaux. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Naomi, merci na l'opportunité au PCB sur la Tongo Alelo. Vous me croyez que chaque fois que na yambaka invitation na o, j'ai toujours la joie de pouvoir répondre à l'invitation na o, parce que aux amo panzi sango munene na katia engomba kisasa na République démocratique du Congo et surtout na nini na importance au PCB na émission na yo. Madame Madame Naomi, comme vous le savez, yo moko tu ko annoncé yango la situation moko tu ko le kana tongwa lelo na Goma. Nous sommes en train de déplorer avec les familles éprouvées, surtout comme vous le savez les Wazalendo et za groupe moko ezalaka et travaka beaucoup plus na est République démocratique du Congo où il trakaka mingi ba M23. Mais bizarrement ce matin, toi tu ko constater que la Monusco qui est censée de sécuriser la population les territoires Yamboka na biso ba oti ko ça l'affrontement na Wazalendo, il y a des pertes en vies humaines terribles où il y a toujours déploré. Il fallait je pense que toujours interpeller en même temps le gouvernement de pouvoir redéfinir ba mission et à Monusco na Mboka na biso. Jusqu'à là, tout comment comprendre sous une mission il y a mon côté, parce que c'est la population de l'Est, départ il y a Monusco, c'est la population de l'Est et Zosenga, n'est-ce pas, la levée de l'état de siège, parce qu'ils ont constaté qu'avec la présence de la Monusco, rien ne marche, rien n'évolue dans l'Est de notre pays. Ont-ils raison, il y a Zosenga, lelo, soit Bazaka a manipulé pendant le cas trouble à quelques mois des élections? Non, vous savez, les images sont là. Vous vous rappelez lorsque le président est à Sénat, la personne de Bati Lukwebo, lorsqu'il est allé, je pense, à cette époque-là, s'enrôler, la population de l'Est lui avait demandé, effectivement, à plaider auprès du gouvernement pour un retrait à Monusco. Et parmi les revendications, il y avait aussi la levée de l'état de siège. Donc, c'est la population de l'Est qui est en train de souffrir avec la forte militarisation de ce coin-là qui vient de créer l'insécurité dans l'Est. Donc, je pense que la population, que le gouvernement qui a la charge de pouvoir encadrer, sécuriser cette population, il faut à l'écoute. Il y a cette population, parce que la population de l'Est se retrouve en insécurité totale. Très bien, merci beaucoup. Nous sommes ensemble, Nabino Bandeko, il y a Est, République démocratique du Congo, Mbote Nabino, Bandeko Babimite, Obakomeninga na Tongwa Lelo. En tout cas, Toza de cœur Nabino, ensemble, na Est, le Congo restera un et indivisible. Ndeko John Kakonde, docteur John Kakonde, Ndeko ya Union Sacrée, personnalité politique, a beaucoup déjà rejoindre sur ces plateaux. Naeto Sorama et Matali, Europe démocratique du Congo, bonjour et bienvenue. La charmante Naomi Mpila, merci de nous avoir invité une fois de plus. La Pessi Mbote, la débatteur Yalelo, Deko Manyanga. Je pense que Tokozala, un débat moko républicain basé sur des pensées, sur des propositions. D'en profiter de l'occasion pour nous faire un peu de temps basé au Talabiso, na Katia Mboka, ou na Mboka Libanda.
Je profite ici, na bandekonyo sur Lukunga, où il y a Bazako Talebiso, Bazako insisté que tout le Bela Makambo ya Busoto, na ville province à Kinshasa, na ba Oyo Bazali na insécurité dans d'autres coins. C'est vrai que diminue Makasi, parce que Moussa Lezo Salema, depuis l'avènement ya de la francophonie, insécurité est diminuée sensiblement. Et puis, féliciter aussi, et puis saluer au Bazo Talebiso na diaspora. Il faut y baquer aux ana, au Djumat Makasi, na Katia diaspora. Alors, je profite surtout dans le bazar en France, madame Françoise Lengo et son mari Lengo aussi, sans oublier madame Sylvie Lengo et John Kelani qui sont dans le bazar en Allemagne, qui m'ont dit Yebisa Ndekumpila à continuer sur cette lancée-là. C'est une madame Thatcher. Maton Domingue, merci beaucoup, Namande Kouazona d'Abisso depuis la diaspora. Sambino Mobulu, merci beaucoup. Nous sommes en Reptumurati du Congo. Et nous sommes là, la Kanisa Congo. Sur Ozu, il y a Kanisa pour investir, investir na Congo. Kyo Luka Kuna, Ozu Mayele, Ozu Mbongo, Kanisa Congo, Mboka Bako Kona Bisso. Yara Ape na Bana na vacances na Congo. Et ça, c'est pas si mal que ça. Hein? C'est pas si mal que ça. Tozo Mona, Tozo vivre et Tozo réfléchir pour Nako. Ça, là, Kemakambe, Kendali Bosso, et un jour les choses ont changé. Il faut le croire et il faut le dire. Kembo Kanabiso, et Koti Kalaka Boete, et Koti Kalaka Genoute, Mikona, Mikola Bamboula, la Bamboula, un jour, Tokote, les Malokola, Grand Congo, Tozali, au centre de l'Afrique, Ndeko, John Konde, Tobanana, John Kakonde, manifestation anti-Monisco. Quelle est votre lecture? Est-ce que Bande Konabiso, Bazali, a raison, Topé, Bazali, manipulé il y a quelques mois des élections, et Zali normal, Basenga, départ, il y a Monisco, Babanda, Basenga, depuis un certain temps. Merci, il a récupéré déjà 3 minutes, on déco. Manyanga Ochkozoawa, il s'est embrouillé. Il y a mon coupon à Koloba qu'effectivement, Monisco, il fallait qu'il y ait. Mais oui, c'est Félix Antoine Tshilombo qui a demandé le départ à Monisco. Mais il faut qu'il y ait que M. Kabila, avec son gouvernement fantoche dans les temps, on devait ça qui Monisco n'a beaucoup parce qu'ils étaient dans l'incapacité de maîtriser Mboka Oyo avec les Kadogo qui étaient venus des enfants soldats ramassés un peu partout au Bayakiawa. Ce sont eux qui ont créé l'insécurité dans les camarades. Mais insécurité, où tu vois? Insécurité, où tu toujours dans les camarades, dans les salaki, accord, que ce soit à Saint City, accord, il y a les Mera et ainsi de suite, on devait ça qui a ni t'étais arrivé à Monisco. Je ne pouvais pas m'imaginer que mon nani, gouvernement Kabila Linge et Salabi jugé pendant 18 jours, comme à 18 ans. Rappelez-vous qu'il y a eu Bitumba Awa entre Jean-Pierre Memba, ma milice Nae, Awa na Kinshasa, mais ni t'était l'intervention à Monisco, le gouvernement Kabila était parti parce que Monisco a dû intervenir. Mais deuxièmement, pour le moment, Monisco a un droit à cause là où je suis d'accord avec lui, c'est parce que le groupe d'autodéfense, Nazalendo, qui est en train de se battre pour le maintien de la sécurité dans la République, parce que le Monusco, son bilan est totalement négatif sur tous les plans. Imaginez que Monusco, les lois, augmentent sa muscle pour attaquer les compatriotes qui sont en train de se battre pour ce pays. Mais Monusco, dans la bouche, il y a Nani, M. Buterres, dans la bouche, il y a Nani, comment on appelle encore, Bintou, Keïta. Barbie que Mindouki M23 à Zanango, et Zan Mindouki beaucoup sophistiqué, même une armée organisée, et qu'on s'en. Alors, comment expliquer que les Nations Unies, c'est-à-dire que c'est toutes les nations du monde qui se sont réunies quelque part pour nous soutenir avec toutes les technologies du monde actuelles, Bango Baza Kokoka, pour mettre en déroute le M23T. Et aujourd'hui, Baza Koya, pour nous bomber Bande Konabiso, je déplore. La question est de la manifestation. Manifestation est constitutionnelle. Exactement. Manifestation est garantie sur, dans notre constitution. Nous, nous nous sommes battus plus de 39 ans pour rassurer et assurer à la population congolaise que Moutouako, le Kenneth, n'a été endoïqué, Ndengende Kunangaï, Magnazo, le Kazolo Balelo, Moutouako, inquiété, Azate, Rosongananda Kunaye, Tokutane, peut-être na lingua, la Pono Rosomwa, Moumoulangi, na Pokwa, Tokutanatan, na Kinko, le Kuna, mais Moutouako dérangé, Azate, parce qu'à Pessi, volonté, j'ai dit que c'est un exemple. De toute façon, je pense qu'il va m'inviter aujourd'hui, parce que tout ça, la contradiction à la télévision, déjà c'est mon frère, d'abord il est congolais. Alors, malgré ce qui nous divise, la prise de position, il y a ma gamutelle politique. Ça, c'est juste une parenthèse que je ferme rapidement. Alors, nos frères qui se sont levés, je serai aussi parmi les groupes d'autodéfense, Ouazalendo, parce que c'est ce groupe-là qui a fait comprendre Naba M23,
Hey, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous, nous battons pour notre pays. Et je condamne ici, avec la plus forte énergie, l'attitude de MONUSCO qui a attaqué nos frères, qui a attaqué nos sœurs, qui a tué au milieu de la personne, des personnes au Bango Baya Baza censées qu'on protéger Awa. Ces gens-là, ils se sont mis debout. Pourquoi? Depuis 2003, la personne que vous parlez, il est parmi Batouba qui a coïncisté, co-plaidé dans le Parlement allemand, Bundestag, Bundesrat, dans l'Union européenne, pour la MONUSCO et y'a dans Boka Oyo. Dans le moment où il y a des gens qui ont été tués, il y a des gens qui ont été têtus, ils ont compris que les camarades qui ont été tués, parce qu'il y avait un conflit d'intérêts. Maintenant, aujourd'hui, que nos frères, que le gouvernement qui s'est dit, dans un complet de que MONUSCO va kende, parce que nous avons, vous voyez la montée en puissance, il y a faire des essais. Nous avons les forces de la CIA, Community East African, MONUSCO et Zali. Mais je ne peux pas comprendre que MONUSCO, depuis tout ce temps, ils étaient sur leur business. Il y a quoi, Baba Goltan, comme Baba Or, comme Nabilo, comme Sous, Baba Gastérite, ainsi de suite, dans Mami Touganaban. Aujourd'hui, ils surveillent de leur sommeil pour commencer à attaquer le peuple congolais, la population mais congolaise. Le départ, moi je me sens en deuil. Le départ, il y a MONUSCO, le lot cotique à vide. Est-ce qu'on se prépare déjà à son soin à cause de contrôle après le départ, il y a MONUSCO? MONUSCO cotique à la jamais ad vitam aeternam. Et MONUSCO, qu'on a dans le Congo, ad vitam aeternam. Il ne va pas rester éternellement ici. Départ, il y a déjà, tout ce qui est en bandaka là. Et donc, présence Nabango, c'est comme s'il n'existait pas. Okay. Alors, le fait que l'armée congolaise, que je salue ici, le chef d'état-major, le commandant suprême, le chef de l'État, qui s'est mis en disposition, Yako, requinquer, essayer de restructurer cette armée, il faut voir que l'armée Oyo, de Koumanyanga, Batike Lakibiso, moyenne d'âge de 50 ans. C'est vrai que le chef de l'État, le Baki, j'ai trouvé une armée organisée, n'est-ce pas? Mais une armée organisée, mais ce n'est pas une armée par rapport au moyen d'âge, où il y a 50 ans, exercice à cause de moins, il y a 20 ans, ou bien 25 ans, ou bien 30 ans, et ça n'est mort, il y a 50 ans. Aux autres, moi, il y en a moins. Alors, c'est-à-dire qu'on a trouvé le moyen d'âge dans l'armée, il y a 50 ans. Alors, ce qu'on voit dans les États-Unis d'Amérique, il y a 40 ans déjà, a commis déjà un vétéran. Vous comprenez? Il a fait sa carrière, il a commencé peut-être à 18 ans, 19 ans, toute une carrière peut-être après 20 ans, donc il est devenu obsolète, article peut-être pour nous aider, dans la stratégie militaire, quoi que ce soit. Mais nous, on a vu que dans ce pays, le moyen d'âge, tout ça, qui a 50 ans, il y a 50 ans, encore ça, la Nini, dans l'armée, carrière, il a combien de temps? Alors, Félix Antoine s'est mis, il a commandé déjà pour réformer l'armée. Très bien. Je termine par là. Bah, base, nous sur la formation, qui tourne. Kamina, Nani, Fokananga, la Kabila avait détruit. Que formation dans la matamorote, les lots, ils ont coproduit, jeunes, dynamiques, capables. Les lots, pour votre formation, dans le même pile, tu as commis Penaba, par un commando, Oyumbu, tu as tiré à l'autre fois. Parce que la Kabila, quand ils sont entrés, Babomagnon, les lots, tu as un par un commando, Bitumba, tu as un fantassin, tu as un ranger, tu as un basset. Donc, ça, c'est la volonté politique. Oh, Félix Antoine Tshilombo, il a mis en place tous les bataillons où ils ont se formé, qui se sont déjà formés. Merci beaucoup, docteur John Kakonde. Merci beaucoup, Mola Mboka. Nous restons dans la partie est de notre pays. Énième accord militaire avec le Burundi, s'il faut évaluer, accord militaire, on s'est salé jusqu'ici, même dans ma pays voisin, et même s'il faut parler, na EAC, est-ce que même le Bissot quelque chose, que énième accord, et comme même le Bissot, et le comme Soso, alors que tu réseau continue, il y a beaucoup de bazo, c'est un bazo, bazali, Kende, mais bisous tous ça là-bas, comme Soussou, Ndenge et Salema qui récemment, bon, j'ai un gros vraiment sur le plan stratégique pour la Kimina Estesani Ndeko, Jano Manyanga Malbombo. Merci beaucoup, Ndeko Naomi. Vous comprendrez que à chaque fois que nous avons un débat, na docteur Kankonde, j'ai toujours des problèmes de compréhension. Je voulais juste d'abord rappeler à M. Kankonde ici.
Kinga, je suis un acteur politique. Na fanda na ba barte, na kinda ka kinko lete. Comme bango baza na pouvoir à ba juissère. Ba mesana ko kinde na ba bar, ba matongé. Après émission, comme émission ya kito honnête ya yo, a ko kinde ko mela masanga. Il pense que moi je suis dans cette approche, je suis dans cette logique. Ce n'est pas moi. Je suis un acteur. Je suis un acteur. Je suis un acteur politique très ridicule. Vous comprenez? D'accord. Je ferme cette parenthèse. Je vais revenir, moi. Je suis devant moi un acteur politique très amnésique. Lorsque Aza Kolobake, c'est Joseph Kabila qui a amené la MONUSCO. Je pense que M. Kankonde, comme acteur politique, il n'y connaît pas l'histoire. Parce que l'arrivée de la MONUSCO dans ces pays, et ça n'a pas résolution d'ango, tiré la Conseil de sécurité des Nations Unies, au EPSAKA mission à MONUSCO pour qu'il y ait à intervenir dans le Congo. Ce n'est pas Joseph Kabila qui a amené la MONUSCO ici. Je pense, je suis devant moi, je ne cesse de le répéter, un acteur politique très amnésique. Il doit faire l'effort de comprendre, de lire et de yako tanga histoire yamboka. Oh, une fois j'ai à faire un débat avec lui, n'est-ce pas? Il me dit qu'il a participé à la réponse. Na nation, je vais répondre. C'est ça la réponse. Qu'il a membre moi quoi participé à la nation na accord à Sainte City. Je me suis toujours posé des questions. Yé Aza la parti politique était. Il s'est retrouvé comment na Sainte City? Il s'est après plusieurs questionnements, je me suis dit, mais c'est Kankonde s'est retrouvé dans Sand City, la théorie et infiltration. Comme c'est eux qui nous ont amené l'infiltration, avec ce que nous subissons aujourd'hui, il n'est pas à se plaindre à ce qui concerne l'infiltration. Parce que l'arrivée de Kankonde au Congo, c'est le fruit de l'infiltration. Avoir le pouvoir aujourd'hui, c'est le fruit d'infiltration. Je ferme cette parenthèse, parce que lorsque tu as posé la question sur l'Est, regardez comment il a balbissé dans ses... Après ses réponses à Malunga. Le plus important, je fais mon analyse sur ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Est République démocratique du Congo. Aujourd'hui, tous ont signé accord militaire na Ouganda pour énième fois. Madame, rappelez-vous, dans ces pays, nous avons des accords diplomatiques avec l'Ouganda. Ces accords diplomatiques, ceux qui sont en évaluation, et même les bisounines, et même les bisounines de l'autre côté. Vous comprenez? Nous avons des accords Ouganda via l'EAC. L'EAC dans ces pays vient d'accentuer des problèmes de tueries dans l'Est République démocratique du Congo créés par les messieurs Kankonde. Pendant la présence de l'EAC, nous avons décrété l'état de siège. Pendant la présence de l'état de siège, nous avons 14 000 militaires, bango ba meme libiso ya MONUSCO, ou ya renforcé. 14 000 militaires, voilà comment Ndeko Kankonde n'a anti-traitement la bango ya MONUSCO, babandi ko boma ba congolais. Pendant l'état de siège, au bango ba meme libiso, nous avons 5 000 militaires, oyo Sadek à Zoom et Bradison à Congo Nabiso. Pendant l'état de siège, nous avons 5 000 militaires, Bango Bakeko signé Nangola, Bazana Sol Nabiso. Pendant l'état de siège, l'EAC vient de déployer 5 000 militaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme cela ne suffisait pas, tout est pour renforcer encore accord militaire. Na Ouganda. Est-ce que, moi je me suis toujours posé des questions, Ndeko Kankonde, vous travaillez réellement pour l'intérêt de la population ou bien vous jouez la théorie du complot pour la balkanisation de l'autre pays? C'est une question. C'est un accord de trop. C'est un accord de trop, madame. Nous avons signé des accords, Bango va signer. Bah, Mémé Libiso, ah, est-ce que Mémé Libiso qui met la S? Tout ça, la recherche, la solution. Moi, la zone est là. Malade, les autres, Simbaté, Moutou, Madame Kankonde, je pose la question. Madame Kankonde. Madame Naomi Pila, voilà, je pose la question à ce régime, à travers leur interlocuteur qui est avec moi sur le plateau. Est-ce qu'il était encore important de signer, de renforcer encore accord militaire na Ouganda? Au moment où les M23 est identifié comme les Rwandais. Comment Bango Baso parrainer par Rwandais? Parce que il est question de mettre les M23 hors d'état de nuire dans le territoire Nabiso. Vous signez avec les parrains de ces M23 accords militaires. Bozo mi pakola mafuta, bozo ko saba congolais, bozo meka koko saba congolais.
que vous travaillez pour le Congo, mais en réalité, M. Kangonde ne travaille pas pour le Congolais, il continue à tuer les Congolais avec ses accords militaires. Vous nous confirmez ici qu'il n'y a pas de bénéfice, tu as gagné le côté. Je vous dis, madame, je viens de le dire ici, ils ont un bénéfice, mon côté. Oyo toko tiré un accord militaire entre Ouganda. Je viens de le dire ici. Les pays moteurs de l'EAC se connaissent sur le Rwanda, sur l'Ouganda. Vous comprenez? Comment se fait-il? Le pays identifié qui opère dans notre sol, nous les renforçons d'une manière, la coopération bilatérale avec le militaire. C'est-à-dire, pour réarmer Bangoli Soussou. Dans la coopération militaire pour que ma fanda na kati ya nini na kati amboka na biso. Regardez comment ba sali ba jonglage, ils ont floué tous les Congolais na table ronde oyo ya Bosoto et aussi pour les cas na palais du peuple. Comment se fait-il Ndeko Kankonde? Je dis vous êtes Congolais ou vous ne l'êtes pas. Table ronde sur l'évaluation de l'état. Sur l'évaluation de l'état de siège. Tout ça na trois thématiques ezaki na kati wana. Thématique ya panel à Liboso et bandaki ko sala étude sur la levée de l'état de siège. Mm-hmm. Troisième panel et deuxième panel et ben nous ça la étude sur le maintien à état de siège. Troisième panel et enfin et ben nous ça la étude sur la réforme réqualification de l'état de siège. Mm-hmm. Mais écoutez ce qui s'est passé pendant la table ronde. Nous aurions appris que batou oyo batirer des ficelles, il y a état de siège, ils ont boutiqué pour que pèse sa voix na ba panel mususu pour que état de siège ezala maintenir. Or la population de l'est que nous défendons aujourd'hui bangonde ba vivaka na est bangonde ba so senga nini levé ya état de siège pendant l'état de siège égal état de siège parce que état de siège est même mis à l'autre côté. Pendant, avant l'état de siège, on avait plus de 2000 et quelques tués dans l'est. Mais pendant l'état de siège, il y a plus que les tués dans les républiques locatives. Un État sérieux, un régime sérieux, une politique sérieuse, comme M. Kankonde ici, il devait faire auto-évaluation. Il fallait azalana mawa yaba congolais très pour l'enlever. Merci beaucoup, Manamboka, Ndeko Komeribusso, Ndeko Jean-Claude. Attends ici que Papa Guerre, Wane Zali, Ezala Bangé Belé, et Sengilité, Kokende Nalombangu, parce que ma puissance est belé, Ezali Nasimalango, Fatih Azamaye, Lende Nazo Kende, Nango, Malembe, Bakor, Lissousou, Te. Merci. Alors lui, Bakor, il sous-souté. Mais tout ça, il sous-souté Bakor. Il est à se défendre Bakor. Mais on est chez un Congolais, mais ça Congolais. Je vous reviens. Ndeko John Kakonde, tout ça, il y a une situation sécuritaire dans la partie Est pour ou contre maintien. Il y a EAC de Mabéna Busso. Est-ce que Ndeko Nenga ou tu peux expliquer Bakor Dengezo Salima et Soko Bako Salima et Koubimena Busso? Problème, tel lobby, Kozana Barme, Bele, Nakatia Mabéna Busso, Ndengini, tout se débarrasser Nango. Alors que tout ça, la recherche et la solution, est-ce que ça a un problème à venir? Au sentir que Ndeko Manyanga s'est masturbé politiquement, inutilement. Il a mouillé les pantalons et les habits inutilement. C'est ça le mal. Monsieur, ça, calmez-vous. Ça, mal, je vais te défendre, je vais te clouer. Non. Je vais te clouer. Attends d'abord. Protège-moi. Non, non, madame Naomi. Protège-moi. Non, ne vous comprendre. Sinon, je quitte le plateau. S'il vous plaît. Il faut tous à la parole. Protège-moi. Il faut tous à la parole. Monsieur, tu n'as pas la parole. Monsieur, tu n'as pas la parole. Calmez-vous. Tu m'as attaqué professionnellement. Non, 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 mais c'est quand même. Je ne peux pas laisser ça. Non, je ne peux pas laisser ça, madame Naomi. Lorsque nous sommes sur le plateau, si va te jarre des politiques. Il pense que l'être y a un plateau, tu es pour défendre l'équipe Yaimana, l'équipe Afita. Nous défendons les intérêts. Merci de l'État. Beaucoup, nous défendons les intérêts merci de la population. Merci beaucoup. Qui doit répondre conformément aux attentes de la merci population. Merci beaucoup. Pas à moi. Merci beaucoup. Tu dois réformuler merci ta façon de voir les choses merci et ta façon de faire monsieur la politique. Merci. Tu dois être un politique. Merci beaucoup. Désormais, il ne faut jamais me tutoyer. Nous ne sommes pas des amis. Ça, c'est... Tu n'es pas mon ami? S'il vous plaît, calmez-vous. Toi, tu penses que moi, je suis ton ami? Calmez-vous, moi, calmez-vous, moi, Mboka, Bandeko, Olandabiso. Je ne suis pas ton ami, mais c'est Kankonde. Ndeko, tu te prends pour qui? Moi, Mboka, s'il vous plaît.
Je suis intellectuel, je suis intellectuel adapté. Monsieur si tu veux m'amener à un niveau d'intellectualisme, je fais monter avec toi. Si tu veux que je puisse me rabaisser à ton niveau, je veux me rabaisser à ton niveau. Monsieur Jeannot, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis très bien éduqué, madame. Merci madame, beaucoup. Je suis très bien éduqué. S'il refait la même chose, vous avez la parole. Je ne veux pas lui laisser le temps. Et ça, c'est une menace. Il m'a attaqué personnellement. Je fais mes analyses. Deux fois, il m'a dit que j'étais avec lui sur un plateau. Il se pose la question pourquoi j'étais en Sin City. Voilà les gens qui apprennent à porter les culottes maintenant. Quand nous avons commencé, pas d'attaque je vais répliquer. Pas d'attaque et je lui ai dit que j'allais répliquer. Répondez à ma question. Je ne suis pas répondre au niveau de son éducation. Répondez à ma question. Je vais te répondre au niveau de ton éducation. S'il vous plaît, Ndeko Jeannot. S'il vous plaît, Banamboka Borolandabiso. Tout à fait, merci. Banamboka. Il m'a traité d'amnésique. Ce petit monsieur est frappé de la schizophrénie à la démence. Parce qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé avant lui et après lui. Il m'a attaqué personnellement. Donc, les gens qui vont aller dans des bistrots, les gens qui vont aller prendre un verre, lui, parce qu'il est intellectuel. Voilà le mal kabylie que quand on apprend à parler le français, on devient intellectuel. Donc, quand on parle français, donc vous êtes intellectuel. Comme moi, je parle 11 langues. Je parle swahili, je parle kikongo, je ne suis pas intellectuel. Donc, lui, il est très intellectuel que ceux qui vont prendre, qui vont dans un peuple. Et la politique, ça se fait dans des restaurants. Tu as vu les gens de l'UDPS qui sont allés dernièrement de l'autre côté faire leur congrès. Nous ne sommes pas des gens qu'on mettait derrière, dans la queue-le-le pour aller accueillir ou bien recevoir M. Kabila. Ils restaient toute la journée dehors, dans la queue-le-le. Nous ne sommes pas ces gens-là, comme des moutons de parnurge. Revenons à ma question, mon Mbouka. Et je voudrais que tu lui dises que ce soit la dernière fois de m'attaquer personnellement pour son information. Tu n'étais pas à la conférence nationale où j'étais comme délégué des étudiants de l'étranger. Monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous, sois poli. Un peu de politesse, ça fait du mal à personne. S'il vous plaît, Ndeko Kakou. Non, il faut le recadrer. Et ça, je vous dis, il faut le recadrer, sinon moi, je quitte le plateau. Je ne veux pas partager le plateau avec des gens qui n'ont pas de sens. Revenons à ma question. Deuxièmement, monsieur, je vous dis ceci. Vous pouvez dégager. S'il vous plaît. Parce que tu n'as pas donné à la population. S'il vous plaît, moi, Lamboka. Si tu n'as pas donné à la population, tu peux dégager. S'il vous plaît, Ndeko. Population Zolandabiso, respect de la population, mon Lamboka. De toute façon, il n'a rien à dire. Répondez à ma question, docteur John Kakonde. Il s'est embrouillé dans ses vomis inutilement. Il s'est embrouillé. Je lui fais la pédiatrie politique. Il doit prendre le temps. Il parle de MSR. Quel de MSR? Il parle de Robosa, Robota. Ou bien de MSR. MSR, c'est Kabila. Et quelqu'un représentant de Kabila peut aussi venir parler à la population. De quelle population tu parles, monsieur? Je vais te citer, je t'ai toujours dit. Utilise ton téléphone pour des bonnes choses. Parce que vous avez détruit les bibliothèques. Il y a la résolution des Nations Unies de 2003. Où je t'ai dit tout à l'heure que je participais activement. Tu veux connaître mon parcours politique, je vais te l'apprendre. C'est simple. Alors, l'accord, les résolutions 1457, la résolution 1468, la résolution 1484, la résolution 1489, la résolution 1493, la résolution 1501 du Conseil des Nations Unies en 2003. Et les Nations Unies, l'ONU, le MONUSCO, a trois ou bien cinq principes, recommandations. La première recommandation, c'est protéger les peuples et les droits des hommes. Fournir des aides humanitaires, promouvoir le développement durable et garantir le droit international et maintenir la paix et la sécurité internationale. Ça, ce sont des petites matières, des petites chirurgies pédiatriques politiques que tu peux apprendre. Ces gens sont arrivés ici comment? Parce qu'il y a les résolutions. En 2003, qui était président dans ces bureaux? Les États-Unis ne se réunissent pas seuls. Il doit y avoir un pays qui demande ou bien sollicite afin qu'ils puissent se réunir. Parce qu'il ne connaît rien dans la matière internationale, le droit international. C'est pour qu'il est en train de s'embrouiller. Mais je vais l'aider pour qu'il comprenne. Il peut être un autodidacte, apprendre même sur le plateau des choses que j'ai apprises pendant des années. Les Nations Unies n'ont pas le droit de se auto-saisir. Il faudra que le gouvernement de ces pays-là puisse les soutenir. Regarde ce qui se passe au Niger. Est-ce que vous avez entendu les États-Unis aller directement se saisir de ça? Bien qu'il y a la paix qui est en train d'être menacée.
Voilà, ce sont des petites notions. Quand tu vas à la télévision, il ne faut pas vouloir ici. Moi, je ne suis pas ton ami. Il ne faut pas me tutoyer, messieurs. Ça ne coûte rien d'apprendre. Alors, deuxième moment. Oui, revenons à ma question. Je reviens. Oui. Je fais la pédiatrie politique. Je vais l'aider. Prochainement, qu'il ne vienne pas manifester son incompétence ici, à la télévision. Deuxième moment. Vous posez la question par rapport aux armées que nous avons ici. Mais imaginez que jusqu'à 2019, quelle est l'armée qui était venue pour nous soutenir dans ces pays? Ce n'est pas le MONUSCO. Depuis 2003 jusqu'en 2018, les Nations Unies, le MONUSCO est ici. On a compris qu'avec l'évaluation que le chef de l'État Félix-Antoine Mukongo Koba Moana Sphinx a compris que ces gens, nous dépensons de l'argent pour rien, ces gens sont devenus inefficaces. En tant que garant du bon fonctionnement de l'État, il a cherché d'autres partenariats. C'est tout à fait normal. Dans les relations internationales, les accords se font et se défendent. Nous avons des accords militaires avec l'Angola. Nous avons des accords militaires avec la Russie. Nous avons des accords militaires avec les États-Unis d'Amérique, où nos jeunes frères ont été formés en Égypte, ils ont été formés en Israël, ils ont été formés. Avoir les accords militaires avec l'Ouganda, je ne vois pas où il y a un souci. Ndayishimiye est venu ici dans un voyage de 48 heures. Vous savez ce qu'il a rencontré? Il y avait un coup d'État qui était préparé en Ouganda. C'est grâce à nos services de sécurité et d'intelligence qui ont compris ce qui s'est passé là-bas. Ils ont dit empêcher que le coup d'État puisse avoir lieu en Ouganda. Ça, c'est les accords militaires. Mais quand quelqu'un vient ici, il exprime son compétence sur le plateau, on ne dit rien. Ndayishimiye, il a dit quoi? Le problème, ce n'est pas seulement le problème de Tshisekedi. Là, c'est un voisin qui a compris que quand ça brûle chez le voisin, ça peut m'arriver aussi. Est-ce qu'il y a un danger que le Ougandais signe des accords militaires? Un, pour son information, parce que à ce temps-là, je ne sais pas ce qu'il faisait, le compte de formation militaire, EFO Kananga, formait tous les officiers de l'Afrique, la majorité. L'Ouganda, Tanzanie, Rwanda, et tous ces pays-là, leurs officiers militaires étaient formés à Kananga. Voilà l'avènement du chef de M. Manyanga qui est arrivé ici. Il a détruit toutes les écoles de formation. Base de Kitona Baki, Baboma Yango. Nani Kaka, Nani Kamina, Baboma Yango. Et Fokananga, Baboma Yango. Il fallait que l'avènement de Félix a bandé pour restructurer les autres de Mona Bajen, Bachikata, qui sont formés là-bas. Bajen Moussous Baza formé. Alors, ceux qui, Ndayishimiye Alibi, n'allaient tous dans un accord militaire. De l'un côté, ça nous avantage parce que nous allons former Batuna Bango. Oui ou non? Nous les formons dans des écoles militaires. Au Tchikala Koyokate, que dans Ouganda, il y a une école de formation militaire. Troisièmement, tu lui as posé une question simple. À quel Kokota Makambuya Nani, état de siège? Mais messieurs, état de siège, c'est constitutionnel pour ton information. Je te fais maintenant la chirurgie politique. L'état de siège, on fait une évaluation. On réévalue. Et réévaluation, bien évaluation, c'est l'ingolobani. Tu as quand on a dit, tu as dit, ah, total, maintenant, total. Zéro, tu sais, tu sais combien de kilomètres. Il nous reste, c'est un exemple que je donne. Et tu sais combien de kilomètres. On a perdu combien de carburant. Tu perds de batouboni. Banane, bazam, malade. Vous faites l'évaluation. Est-ce que nous devons continuer ou bien tu arrêter? Quand ça, l'évaluation, il y a un acteur sur place. Il y a un homme, il y a une évaluation. Il y a une élite. Nanga l'élite, pourquoi? Parce que Nanga. Azala qui n'a mis nous moko, Kabila pesa ga bango mutuna bango. Apesa bango minu d'or, azako exploité illégalement. Nanga n'est pas différent de Mwanga Chuchu. Mwanga Chuchu a somba Rubaya, na maboko ya, nani Rubero, na 2003. Tant aux hommes mon état de siège, et quoi ici Kagame, économie à Rwanda, et quoi inassé. Économie à Rwanda, bazako ka susute. Mais de kouroya zolo bakeno, de l'état de siège, batou balobi. Mais posez-vous la question. Société civile, les autres sont levés. Société civile, il y a société civile, Moutozo Solanaye, depuis 1993, Azalaka, nani membre d'Amnesty International. Quand la société civile parle, je me pose des questions. De quelle société civile? Dis-moi, Tozalaki na est la République, Batbaku Faka, au moins, on a totalisé 12 millions de morts. Obi na pouvoir en aïe. Na pouvoir en abango. Le roi, il a même le courage, encore la télévision, il est en doike. Aïe, le bas, voilà l'incompétence. Dis, état de siège, basali, réévaluation. Parce que Rwanda positionne les Dagini. Aïe, quand tu as une ville, tu as un village, tu as un chef qui a été en Rwanda, tu as un Rwandais, tu as un Bango, tu as un Colombo. Très bien. Mais je cheat par là.
Je voudrais que tant Koloba, je ne suis pas son ami, il doit avoir des légèretés. Il y a Koloba en la tonsuse, moi je ne suis pas son ami, je ne connais pas son carrière. Ce n'est pas la télévision. Je voudrais qu'Aya, sur le dossier, opposé question Mouké, à quel Makambo était des sièges, qui est tout à fait constitutionnel. Je vais vous donner la loi et l'article de la Constitution où est-ce Koloba que soit qui la crise persiste, tout comme sur le référendum, Bakoki Kocha est à des sièges. Je ne vois pas Eloko Félix a inventé aussi longtemps que Bangonde Tubaibi Mandoki, Baibi Misela Mandoki, il fallait pas installer état des sièges. Très bien, merci beaucoup Malamboka. Merci docteur John Kakonde. Tout le la deuxième sujet sur confiance nao et talima pour nommer Zali Koya, Bandekwa FCC, Outa Basse Retiraki, le ancien président de la République, Alakaki Koloba, Atikali Koloba. Mais bah, on, bah, non seulement bah, déposer ma bah, candidature, mais Matikali même pas qu'on soit même pas carte d'électeur qu'on s'enrôle. Ndeko Jano Manyanga tous donc le processus électoral en cours, selon observation, il y a 5 ans, au Azali Koloukaba rétablir confiance, à lui que 25% des électeurs Azali prêts, topé balengue la mico qui n'a pas urne na, le 20 décembre. Est-ce que c'est vrai que le processus électoral en cours et ça est mal perçu dans la population, tout pesa création de toute pièce, il y a bande de opposition, basolinga pour saboter le processus électoral en commun le bon bokoayo. Merci Dekonaomi, Yambona, Yanola Namutuna, la deuxième question, la deuxième sujet, Oyanilo. Je voulais d'abord quand même na sala moi recadrage politique na mayena uti koyoka awa. Lorsque j'ai dit, je pèse bien mes mots, je suis devant un co-débatteur amnésique, je pèse les mots. Je pèse les mots. Oui, oui, laisse-moi. Non, non, laisse-moi faire l'analyse. Ngai na kinda kana ba pratique simple. Parce que la gestion d'un État, eza makambo oyo to vivaka. Malgré les théories, oyebi kepo oko malelo journaliste ya Congo baisse. O pasaki test na yo, ba pesi yo, c'est comme nous appelons, contrat de travail. Contrat de travail n'est le banini. Ceux qui ont eu autant de contrat de travail, n'ayo, article balobi, non, non, yo, banda moussala 7 heures, au salabo, et au salabo. Ceux qui se pèlissent, au salinini, au tchemokolo, ton ayo, au ratifié, on limi kokota, qu'on travaille dans l'entreprise, voilà, conformément à ma principe, et le ce que nous débattons aujourd'hui, c'est, ne yango moutememe les biso instabilité. Le problème que nous débattons aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'instabilité dans l'Est pendant le régime Nabango. J'ai sur moi la charte de l'EAC. Je me suis toujours posé des questions. Les communicateurs de l'Union Sacrée, Batanga yango, je pense régime. Je vais répondre à votre question. Vous comprenez? Il faut le recadrer. Natanga charte, il y a charte. Ça devient très, très agréable. Natanga charte, il y a EAC. Il y a un problème, il y a un problème. Parce que le problème, il y a EAC, il existera depuis 25 ans. Heureusement. Depuis 2013, le M23 a été défait. Le même chef, le président de la République, qui est président de la Bissau, il y a un président de la chef, il y a président de la président de la Aza président de la République, aza président de la République. Voilà, voilà, des politiciens. Aza chef, soi-disant politicien. Non, non, aza chef n'a pas parti politique, non? Vous comprenez? Je suis géniteur d'un parti politique, monsieur. Tu parles avec une autorité morale, au même rang que votre chef. Je suis, madame Naomi, nazo sala analyse politique. Je suis un analyste politique. Tanga à charte des Nations Unies, article 4. Elingé le baboule. Article 4, EAC, il dit que l'organisation qui est l'EAC a la capacité à l'intérieur de chaque État membre d'une personnalité morale avec succession perpétuelle, c'est français, a le pouvoir d'acquérir, détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés. Ça c'est l'article 4, il y a charte, il y a EAC. Na ke kotanga ba objectif ya EAC. Parmi les objectifs de l'EAC, dit ceci, c'est la coopération économique régionale créée sur les personnes et fondée sur l'économie de marché. Le point 4 dit, dans ses objectifs, le point 2 plutôt, dit c'est la création d'un environnement approprié. Le point 3, le point 3 dit les développements politiques favorables des infrastructures de base entre pays membres. Na ke kota la sikoyo, attitude y a l'État congolais.
Ici, c'est bien dit, vous allez céder des terres et des propriétés. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Tokenaki Kokotana EAC en connaissant les objectifs de l'EAC. Je pense la charte de l'EAC. Bapesa kiango mokonzamboka. Bapesa konde kokakonde atayi. Ba ifsi ok. Solingyo kotana lingomba na biso. Oko cede des terres, oko cede ceci, oko cede ma propriété. Mende kokankonde. Qui est en train de tromper la population ici? Asalinini, atyo mokoloto. Alobi, nandimi kokotana. Lelo nous aujourd'hui. Et loko ezo dérangé. L'Est de la République de Moitié du Congo, c'est cet accord. Qui sont maintenant les États satellites Oyo Bazo rodé tout autour de cet organisme? C'est le Rwanda, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda. Vous comprenez? Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, nous savons que les Rwanda et Agressa Kabiso, Mboula Nyosoyo, tous les conflits dans l'Ouganda. Est-ce que Tokoka qui kokota na organisation ya Bongo? Parce que cette organisation existait pendant Bongo. Et ça, Bango tende et bandit qui existait. Le chef, alobaki qui est quand un problème à sécurité, tu es appelé à transaction et à commerce, et ça, les manants. Oui, c'est inclus. Il y a un objectif, il y a une coopération économique entre les pays membres. Il y a un moment qui est sikoyo. Est-ce que c'est une évaluation? Tu es bien que Rwanda, ou un État, ou un piloté organisation. Et agressa kabiso des décennies et des décennies. En toute conscience, Madame Naomi, tu pouvais signer un tel accord? Que je pose la question, je pose aux gens qui sont en train de nous suivre aujourd'hui. Maintenant, lorsque tu as signé accord Rwanda, tu as banni kokende na accord Rwanda. Accord Rwanda et même pito palé. Tu as dit non, non, tu as décrété état de siège pour mettre terme dans cet accord. Maintenant, tu as même mis état de siège. Tu as commis la présence, il y a EAC, n'est-ce pas, dans le bas. Et il y a 5 000 militaires et comme insécurité totale. Bon, il y a église, un militaire tanzanien a été massacré la population dans l'église. Donc, c'est que dont on pensait la sécurité qui est devenue l'insécurité. Aujourd'hui, nous avons l'Ouganda qui opère fortement dans les républiques démocratiques du Congo. Lobby Ndaishimwe a été signé un accord militaire. C'est une complicité. Moi, je suis intellectuel, gymnaste. Hein. Je pense cette théorie de la balkanisation électorale que j'ai toujours dénoncée ici, bah, on est appliqué. Revenons à la question. C'est ça la réalité. Nga la kenda kanaba explication théorique. Non, moi, je prends du concret. Ce que nous vivons. Je suis en train de. Je pense 2 minutes, mon amboka. Aujourd'hui, nous avons le problème électoral. C'est une réalité. Vous comprenez? Les propos des prélats Fridolin Ambongo devant Top Congo et tout. Vous savez, l'objectivité d'une élection, c'est quoi? C'est de crédibiliser les institutions de la République démocratique du Congo. Lorsque tu as crédibilisé ma institution, c'est-à-dire l'animateur au baroyan de ma institution, il faut jouer la légitimité de Bango. Pour que Toko t'a une crise, il y a une institution. Dans ces pays, nous avons connu des crises de légitimité avec Lumumba et Kasavubu. Nous ne voulons pas que nous puissions en arriver là. Et aujourd'hui, ceux qui t'ont commis une crise, il y a une institution. Vous avez suivi la RFI, que le Gabon est pris en otage par les militaires. C'est nous qui tirons la sonnette d'alarme à ce qui concerne la bonne gestion. Faut dire à la population, s'il vous plaît, entre parenthèses, na moni lelo batobele ba olobe lango na ba réseaux sociaux, faut dire à la population que ça contexte mon côté Ali Bongo a sali plus de 14 ans à pouvoir, ngazo troisième mandat et tout. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a kaka na mandat moko. Et tozo que na ba élection. Exact contexte, exact dans la politique. Non, dans la politique lorsque tozo ça l'analyse de madame Naomi. Bah, option, il ne faut pas exclure ma bah, option mchouchou. Toujours ça là. Des sens, des beautés, il y a analyse toujours ça là. Lorsque les institutions n'est pas crédible et comme Kotaka Boulouyeke, lorsque Ambongo dit 25% de la population, bazo nde baza pour les élections, mais les restes, baza ils sont motivés na élection. À cause. Il y a battu au bilogo va présenter biso. Ils nous ont présenté un cadima incapable
de pouvoir organiser processus électoral nyoso mobimba fichier électoral ba audité alingité. Il amène ses copains pour auditer ce fichier électoral. Le monsieur Kadima vient d'attribuer ba siège na ba place au ba koki ko attribuer té yé moko na ba ninio tozoka que ba sala qui recourt na fichier il y a 2018. Ce n'est pas une bonne élection. Nous venons de voir qu'un parti politique au pouvoir, Oyobi Sotoyebi, dans sciences politiques, lorsque tu y es revêtu d'un mandat, il y a parti politique, au commis quoi assimé, fonction politique, on s'est détaché de la responsabilité à parti. Très bien. On s'est détaché de la responsabilité à parti politique. Boni, tozo mona, naba dépôt ya ba candidature na IDPS. Il paraît, c'est le président de la République qui a pris, qui a signé mandat, il y a député national, on a signé. C'est déjà la tricherie en sciences politiques. Je ne sais pas si lui a fait la science politique, parce que moi je fais les sciences politiques. Je ne sais pas. Très bien. En sciences politiques, et ça, indice, il y a fraude. Donc, élection, voilà, et ça, la crédibilité de par l'organisation et l'académie, n'a pas animé. Très bien. Merci beaucoup, Mwarambo Kandeko, John Kakonde Tozongelayo, sur la question du processus électoral. Un peu de retard pour rétablir la confiance ne fera pas du mal au pays, selon la Cinco, Namaloba, il y a Béchole, na Montagne, à Congo, na montagne à Top Congo. Pensez-vous qu'à ce stade, on peut s'arrêter tout le cas solution de Kwazolo Bakitozo qui ne va à risque parce que Baeto et Bele, bande de opposition, zone d'imaté, bazar comme on a ma B process électoral, ou est-ce mal perçu selon Bango. Est-ce qu'il faut s'arrêter, soit tokende au potobo et à violer constitution, surtout respecter délai au Sengeli Bisso na calendrier électoral. Merci. Je voudrais que tu rappelles à ton invité pour la dernière fois qu'il évite de m'interrompre quand je parle. Pour la cinquième fois, il vient de s'embrouiller dans ses vomis. Deuxièmement, je dis que ce monsieur est frappé de la schizophrénie et la démence. Quand il vous parle de l'amnésie, c'est un traumatisme crânien. Où il dit des choses qu'il ne sait pas vérifier, il ne connaît même pas la signification de l'amnésie. Alors, parce qu'il n'a aucun peu de monde, laisse-moi dire ça. Est-ce que je suis frappé par un traumatisme crânien, monsieur? Tu peux le prouver? Je peux déposer une plainte contre toi. Calme-toi. Lorsque tu débats, tu fais du coca. J'étais toujours dit, prends ton téléphone, pas pour regarder les mauvais films, mais regarde Biloko Malonga, parce que Kabila détruit toutes les bibliothèques. Je reviens ici. Je voudrais lui dire ceci. Je lui dis ceci. Je t'ai promis. Il n'a rien à dire ici, qu'il ne revienne pas là-dessus. Il est un politicien. Il a fait la science politique. Monsieur, alors Mova Sakani, il a fait quoi? Un professeur. Toi, tu n'es pas professeur. Ce que je suis en train de saluer en passant, c'est quelqu'un qui m'a donné... Des pourritures. Alain Nassazongoulouma. Pour la raïs, regardez. Je suis en train de les saluer. Son tonton félicitations parce que vous nous avez dit... La PPRD, FCC, Balongola Bino et l'Okoza qu'on permet de Bino pour réfléchir. Voilà ce que je vois ici. Je t'ai dit que Fumoto, que vous citez aujourd'hui, il a été chassé à Ligikine. S'il vous plaît. Il est là. Il a été chassé à Ligikine. Moi, je finis à Ligikine. Lui a été chassé. S'il vous plaît, Ndeko. Ndeko John Kapo. Non, parce que vous citez des gens. Voilà les débatteurs à terre. Je te prends un témoin des gens que vous citez. Voilà les débatteurs à terre. Il n'a rien à dire. Tolobé la Congo, c'est plus important que les gens. Il est revenu sur l'état des sièges. Je lui dis que l'EAC, il a des connaissances livresques pour se retrouver à quelque confiété, à jouer le bloc qui n'a pas de contrôle. Quel est l'objectif de la CAC? Il ne vous a pas dit. Il m'a mis dans l'article 4. Mais article 1 est le bini. Article 2 est le bini. Tous les 4 articles aux amants. Il n'y a pas que EAC et Zako s'occupait seulement. Pour les téléspectateurs de haute facture, il faut que nous là-bas pour savoir que EAC, problème, il y a d'abord problème culturel, problème économique, problème à sécurité. Il y a. Mais dites-le de se calmer. C'est désagréable ce qu'il fait. C'est désagréable. Je te donne, tu lis les objectifs. Voilà. De quoi, Silissa? Je vous en prie. Tu as ton téléphone de haute qualité.
Quand le téléphone est tombé, je te donne la charte. Il me dit qu'il a pour des notions culturelles. Ah si, ça n'a pas de problème. Ah si, ça n'a pas de problème. Je vous en prie. Ce sont des bêtises. Docteur, les objectifs sont définis là-bas, mais il ne raconte des bêtises à son âge. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur Nabet a quand même appris le micro. Pas d'attaque personnelle. Là, je te préviens. Pas d'attaque personnelle. Nabet a quand même appris le micro. S'il vous plaît. Alors, si tu ne veux pas te protéger, ça, je te l'ai dit. Non, 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 s'il vous plaît, Ndeko Jano. Je suis très bien éduqué. S'il vous plaît. C'est dans vos habitudes. Donc, Nabet a une éducation. Oh là là. C'est dans vos habitudes. Mais c'est quand même. Calme-le. Docteur Kakonde, dis-lui de se calmer. C'est dans vos habitudes. S'il vous plaît. Dis-lui de se calmer. Je suis pas son ami. S'il vous plaît. Il parle, je l'écoute. C'est ça mon éducation. Je t'ai bien éduqué. S'il vous plaît. Que ce que Moutoua Lobby, même s'il s'embrouille comme il est en train de s'embrouiller, je l'écoute. S'il vous plaît, docteur Kakonde. Mais s'il interrompt, voilà. Madame, s'il vous plaît. Toyokana, s'il vous plaît. Non, 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 Zéla, Zéla, non. S'il vous plaît. Lorsque déjà, s'il vous plaît, l'introduction, qui dit que non, nous sommes là pour les formations. Les objectifs sont là, vous pouvez lire les objectifs, non, madame. Je vous reprends la parole, s'il vous plaît, Toyokana. Toyoko discuter, Toyoko soit naté, c'est très désagréable dans la télévision. Moukola azate, moi la mouki azate, Toyoko soit la maramba mboka. Toyo bela mboka pour que mboka ait bénéficié, s'il vous plaît. Je vous demande que. Soyez mouni nga zolo ba. S'il vous plaît. Soyez mouni nga zolo ba. S'il vous plaît. Discipline, tout c'est discipliné. Moi la mboka. John Kapo. Si à cet âge, il ne sait même pas te respecter, ça prouve que même à la maison, dans leur parti politique, quand il y a des matinées politiques qui se comportent. La question, la je parlais bien des objectifs de l'EAC. Il a son téléphone. Vous lui avez donné 8 minutes et demie. Vous lui avez donné même un bonus d'une minute et demie. Il n'a pas pu répondre ça. Il est allé vous rappeler l'article 4 que je vais déballer rapidement. Parce que lui, comme il a étudié les sciences politiques, il ne sait pas décortiquer un petit article comme ça. Il fallait qu'il commence par d'abord citer les objectifs de l'EAC. Non, tu copies ça, Yahwa, mais est-ce qu'on s'embrouille en juste téléphone et appelé sur. Voilà. Il pouvait te dire, va dans telle bibliothèque, va regarder ça. Qu'un dans le journal officiel, va regarder ça. C'est malheureux. Ça fait pitié. Et vous vous dites que c'est un plaisir pour moi de parler avec un membre des partis politiques. Alors que moi, je suis géniteur. Je suis autorité morale d'un parti politique. J'aurais bien voulu que M. Robota vienne ici. Je discute avec lui. J'ai déjà débattu avec M. Robota, aller pour lui poser la question. Qui de parler avec des membres qui ne savent pas garder des limites. Je ferme la parenthèse. L'EAC doit partir. Il y avait les pré-évaluations en décembre. Il y a eu l'évaluation, je pense, à mai. Là, il y a l'évaluation des Congolais avec toutes les structures qui sont basées sur l'EAC. Le chef de l'État a parlé, il a dit ceci. Tant que les circonstances qui ont poussé que l'état de siège puisse être mis sur place, il n'y aura pas d'élevé de l'état de siège. Mais la question qu'on se pose en tant que des intellectuels, excusez, je n'aime pas ces mots-là. Donc quand quelqu'un parle français, il devient intellectuel. Alors que ce qu'on talibé, papa, bazo, talibiso, na, komina, gombe, pour le moment, papa, bazo, na, lukunga, o, bazo, na, fonction publique, bazo, l'andébiso, bato, boigna, même s'il ne parle pas français, ce sont des gens qui sont utiles à la société. Parce qu'ils permettent que quelqu'un de l'ébosso. Mais quelqu'un vous dit, je suis intellectuel, je parle français. C'est ridicule. Deuxième moment, il y a eu l'évaluation, la pré-évaluation. Et ça dépend du chef de l'État de prendre des mesures. Après avoir écouté ce qui s'est passé, pour Nakoyeba, à lever l'état de siège ou pas. La question qu'on se pose, mais comme il y a 12 millions de morts, c'est leur gouvernement. C'est leur gouvernement. J'aurais bien voulu t'en installer chirurgie politique à Komaga. Mais il est sur ton téléphone, comme d'habitude. Voilà, j'aurais bien voulu qu'à Komaga. Deuxièmement, l'état de siège est que l'on voit tant que le chef de l'État a dit 12 millions de peuples. 12 millions. 12 millions de population, 12 millions. Si vous avez échoué, vous avez échoué. Honte à vous. S'il vous plaît. 12 millions de morts, nous l'avons totalisé jusqu'en 2018. C'est le règne de la Kabylie de père en fils. Des dictateurs toujours en Bokaoué. Je ferme la parenthèse rapidement. Voir Kabila partout, pour moi, c'est un cauchemar. Yabiyabilomoussous, excuse-moi, je ne vais pas aller jusque-là, mais il me pousse d'aller là jusque-là. Troisièmement, vous avez cité le problème, il y a élection. Le calendrier électoral est tout à fait en route. Nous respectons le calendrier. Nous allons aux élections le 20 décembre. Le monsieur n'est pas
mieux placé pour parler des élections, le monsieur qui est devant nous. N'appartient à Bango, à PPRD, FCC, tout ça, ce sont des inciviques. Vous savez pourquoi? Parce que tant que Moutoisel, quel est le devoir d'un citoyen? Le devoir d'un citoyen, c'est d'aller voter, chercher la carte, faire tout ce qu'un citoyen normal peut faire. Mais comment expliquer que Baboy Kokendo se fait enrôler? Ça, c'est un. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'aller parler des élections. Troisièmement, nous avons le membre de la du PPRD, la Kataseni. Nous avons Manara, nous avons l'autre là que j'ai oublié le nom. Même Fayoul a son membre là-bas. Je t'ai dit que quand nous parlons de choses sérieuses, lui, il est au téléphone en train de regarder ma film. Là. Troisièmement, achetez mon amour. Kadima, non, vous l'avez donné beaucoup de temps. Kadima, il est parmi les meilleurs. Oyoba Tchaki, ce n'est pas Ambongo qui va me contredire, ce n'est pas Chol qui va me contredire. Mais là que ces messieurs passent à la télé, Ambongo, au lieu de nous prêcher la parole de Dieu, il est devenu politicien actif. Ce que Ambongo dit, ce que Chol est en train de dire, ça ne reflète, ça, il n'y a pas de soubassement sur quelque chose. Le rôle, la mission d'observation, mission d'observation, et ça la marque déjà. Quand les États-Unis d'Amérique font des déclarations pour dire les calendriers électoraux et les élections au Yougoslavie et au Congo, ils allient vraiment d'une deux fois. Tant que l'Union européenne fait ça, Ambongo, quelle est l'expertise que Ambongo est là, si ce n'est pas sur la matière canonique ou bien la théologie, qu'est-ce que l'expérience que Chol a? Parce qu'on a vu Nanga ici. Nous avons eu le dialogue, il y a Semko dans ce pays. Et imaginez que décembre 2017, Baboya qui est tokendata dans l'élection. Bah, Sangowana avec Semko. Très bien. Aujourd'hui, que ces gens viennent faire face rebelote pour nous dire que non, Chole, ils montent au créneau. Voilà. Les Malawi est venu ici, les Sud-Africains sont venus ici. Ils ont audité les fichiers électoraux. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'au lieu de 47 millions de personnes, hein, où ils allaient être capables de voter, ils ont fait le toilettage, ils ont dit qu'il faut, il a commis 43 millions. Donc les 4 millions, ben, longue, 4 millions c'était quoi? C'était des doublons. Au Batmoussous, il s'est enrôlé deux fois. Au Batmoussous, il s'est enrôlé. Ça, ils ont dit, il a ça. D'autres, on a vu que dans d'autres coins, il y avait des enfants. Vous comprenez? Dans le monde entier, il n'y a jamais eu des élections parfaites à la lumière de ce qui s'est passé aux États-Unis. Très bien. Trump sera jugé le 24 janvier 2024. On ne parle pas de l'acharnement. Il n'y a que des petits esprits, des gens qui n'ont pas de connaissances politiques, qui peuvent parler que quand quelqu'un de la liste de sa fonction est interpellé, comme un acharnement. Docteur Kakonde, merci beaucoup. Tout comme Nassouka émission, on aura pris sa mot de la fin. Nandeko Jano Manyanga, et aussi ça, docteur Kakonde, ce qui est Nini Koleka, ce qui est le 20 décembre, préoccupation Nabino, revendication Nabino, ils allaient prise en compte. Est-ce que Bokene est directement na boycott l'élection? Est-ce qu'au plan B, ils allaient soit Botika Lina opposition? Si en 2028, qu'est-ce qui se passe déjà dans le quartier général Nabino Kuna, dans le FCC, Malbombo, et votre mot dans la population congolaise? Merci, Madame Naomi. Je ne cesse de le répéter. Hein. Il faut être, pour débattre avec moi, il faut être un gymnaste intellectuel. J'ai dit ici, parce que mes lunettes sont, j'ai perdu mes lunettes, tous autant d'avoir objectif, il y a assez. Parmi les objectifs de l'EAC, peut-être vous pouvez nous aider à lire, parce que nous avons un mot pour qu'on s'en occupe. Les objectifs de la communauté sont de développer des politiques et des programmes visant à élargir et approfondir pour le bénéfice mutuel la coopération entre les États membres dans le domaine de la politique, de l'économie, des affaires sociales, dans le domaine culturel, de la recherche, de la de technologie, de la défense, de la sécurité, des affaires juridiques et judiciaires. Y a-t-il contradiction de ce que j'ai dit? Il y a beaucoup de points relevés. Y a-t-il des contradictions? Je suis en train de rappeler ici la conscience de la population. Est-ce que Bissot a un problème douanière avec le Rwanda? Est-ce que Bissot fallait que ça la coopération douanière avec l'Ouganda? Est-ce que le Rwanda a la technologie à nous présenter au Congo? C'est dans les objectifs de cette organisation. Il fallait, je ne sais pas, avant de signer cet accord, il fallait qu'on ait la Congolais. Ce que vous avez utilisé dans l'infiltration,
tu devrais mettre en application cette disposition et ratifier cette charte. Il y a EAC. Voilà où nous en sommes. Voilà place docteur Kankonde ba Meme Libiso. Tout ce que nous discutions aujourd'hui, topte pa, to benga nini, réponse dans Weza A. Problème est outil A. Madame, je vous dis, problème, population et outil na EAC. Bah, ou nyo zo zo quand on a télévision, ce sont des politiques djaléluistes. Mais au moins, le président de la République, après avoir fait le diagnostic, Ayoka a toujours voix à opposition. Lorsque nous étions en train de parler pour nous lever à état de siège, évaluation à état de siège, Babando Yokate, c'est après le président Obi qui nous a évalué à état de siège. Lorsque Tobando Seng a départ à Monisco, parce que le président Kabila a dit que Monisco na ville à Kinshasa, a essayé Bango tout le monde a mission na binoté. Dio ya tribune ya Nations Unies. Aïssa Bango, na zomo na présence ya Monisco, et zomo mata rebelle mogote de par les assignations. Kabila m'talongo la Monisco na Kinshasa, atinda Bango na Goma. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est que nous vivons. Lorsque nous étions en train de dire, Tolongwa na EAC, bah yoko la bisote. Mais je pense, président de la République, a copé sa biso raison pour la Tolongwa na EAC. Comme à Zoga toujours, bah, moi, décision, là, moi, retard, après Koyo Kabiso, je pense à Yo Kabiso, à Kolongwana EAC. Bah, Kolanda, bah, communicateur, oh, il y a parti mallette parmi les 900 et quelques partis, compris il y a son parti politique, raison pour laquelle ils sont en train de réfléchir pour, pour amadouer le président de la République. Naébite Sobazoluka poste. Les apostes de Bazoluka, nous avons déjà compris votre position. Honte à vous, mais c'est Kankonde avec ton parti politique, mallette, Oyo Ezalakaka na Yemogo président, Yemogo secrétaire, je pense moi si Naé, peut-être président de la Ligue des jeunes, Ligue des femmes. Voilà où nous en sommes. Votre mot de la fin, aussi. Mot de la fin, dans ma matali processus électoral, toujours rappeler le bon sens, surtout il y a gouvernement, na CENI, parce que il faudrait organiser ma ponami, oyekozala crédible, oyekope ça, ba institution crédible, ba animateur, obako outa na ba institution, wana, bazala na légitimité ya population. Que toi éviter ma crise, les lobes assemblées provinciales elles a chamboulé à cause il y a illégitimité, il y a banimateur nango partout dans les 26 provinces, les assemblées provinciales elles a en débandade. Ce sont des thermomètres. Nous, pour chiter, vous savez une chose, moi j'aime bien l'histoire. Nous nous sommes retrouvés dans ces pays, je pense, mais c'est Kankonde laissé. Le président Mobutu s'est retrouvé. Le président Mobutu s'est retrouvé face à la communauté internationale à cause du gouvernement Birundwa Oezalaka reconnu par la communauté internationale. Alors, boni organisé ba élection Namboka Oyo. Ba yeb sa président que le régime nayo au gouvernement nayo est reconnu okoko kako travaillé. Ce sont des choses que nous analysons, nous réfléchissons, que nous demandons le bon sens des autorités de faire attention. Merci beaucoup, Malamboka. Merci beaucoup, Ndeko John Kakonde, de votre mot de la fin. C'est un fichier, une minute, il a pris trois minutes, et je me prononce. Je voudrais que vous respectiez la même chose. Un message à la population, vous avez trois minutes également. Je vais dire à ces messieurs que vous êtes en face d'une autorité politique. Si tu étais un vrai politicien, monsieur, calmez-vous. Monsieur, calmez-vous. J'ai bien dit parti monsieur, monsieur, calmez-vous. Parti malade. Monsieur, je te dis que même après le micro, je te le dis sincèrement. On va voir. S'il vous plaît. On va voir. Comme tu as décidé de déranger l'émission, je vais t'aider. S'il vous plaît. Toujours se ridiculiser la télévision, pas jusque-là, s'il vous plaît. Oh là là. Oh là là. Ouais. Ndeko John Kakonde, tout aussi cette émission. Je ne parle plus. Madame Naomi, à la prochaine. C'est la toute dernière fois que je passe ici. À la prochaine. Vous m'invitez, mais c'est Kankonde. S'il vous plaît. Ne viens pas. S'il vous plaît. Toutes mes excuses pour ce désagrément. On se retrouve demain. Naba invité, me soumet toujours avec le même plaisir. Au revoir.